On va voir ensemble une aide à la correction du, euh, de l'avant-métré de la Méniane. Donc, euh, pour ça, euh, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est qu'effectivement, c'est une aide à la correction, ce n'est pas un corrigé. On n'est pas à l'école, vous ne faites pas un devoir auquel il y a un corrigé avec des réponses justes, et puis le reste, c'est faux. Absolument pas, on n'en est pas là. Tout ce que vous avez trouvé, il faut pouvoir le justifier. Donc forcément, il y a des écarts entre ce que j'ai trouvé comme résultat, ce que vous avez trouvé, ce que vos collègues ont trouvé, forcément, chacun a sa façon de voir les choses. Simplement, il faut être capable de justifier ce que l'on a trouvé, et à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on commence euh, cet avant-métré. Par le euh, terrassement. Hein, terrassement est donc la première, euh, euh, le premier ouvrage dont il est question dans le métré, c'est le décapage de la terre végétale. Donc prévoir le décapage de la terre végétale sur une profondeur de 20 cm. Donc comme on me donne la profondeur, je vais juste chercher moi une surface. Et la mise en stockage sur l'emprise du terrain ou à proximité du chantier. Très bien. Décapage avec une surlargeur de un mètre linéaire par rapport à l'enduit des murs en élévation pour permettre la réalisation des fouilles en rigole et une plateforme de travail suffisante. Donc localisation à prévoir dans l'emprise du futur bâtiment plus un mètre en périphérie. Donc la première chose à faire lorsqu'on fait un maître c'est un croquis. Un maître sans croquis, ce n'est pas un métray, vous ne pouvez rien justifier du tout lorsque vous n'avez pas fait de croquis. Donc le croquis pour le décapage, je l'appelle croquis 1. Hein j'ai mis décapage pour m'y retrouver, mais ce n'était pas obligé. J'aurais pu mettre simplement croquis 1, c'était suffisant. Sur ce croquis, j'ai indiqué l'emprise du décapage. Alors on m'a euh, donner comme indication un mètre par rapport à l'enduit hein, des bâtiments. Alors j'aurais pu faire une coche ici et faire une coche là. Simplement, donc je vais avoir un mètre de décalage ici, un mètre de décalage là. Ça va demander euh, plus de travail, ça va coûter plus cher de faire une coche que de ne pas la faire. Ici, effectivement, j'aurais pu la laisser vu l'ampleur du chantier. Bon, mais effectivement, sur, sur un chantier plus long... On ne l'aurait pas compté. Si vous avez compté, si vous avez décompté ici une coche, et ici aussi, ce n'est pas faux, bien sûr que ce n'est pas faux. Donc ce que vous avez trouvé, vous le justifiez en indiquant que vous, vous avez euh, tenu compte des 1 mètre en périphérie. Vous aviez cette info, vous avez fait un mètre en périphérie. Attention, pas chez le voisin, là on est chez le voisin, on n'a pas le droit de venir terrasser chez le voisin. Voilà. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je dois avoir quelque chose comme 13,86 de long et 12,23 de large. Donc sur mon avant-métré, hein, terrassement 1.1 pour retrouver le code du descriptif. Hein, donc 1.1, 1.1.1, décapage de la terre végétale épaisseur 20 cm, je l'indique sur mon métré, parce qu'il y a de grandes chances que je vais je vais me servir du métré pour faire le DQE. Voilà. Donc voir croquis 1, je l'indique, voir croquis 1 ici, pour qu'on comprenne d'où je sors ça là. Parce que tout ce que je vais écrire dans ces trois colonnes-là, ça doit être sur un croquis ou sur un plan. Voilà. Après, ça peut être indiqué ici, on verra de temps en temps, voilà, j'ai deux fois 9,61, d'accord, mais les 9,61, je dois les retrouver sur un plan. On n'en est pas là, on en est au décapage. Décapage, 13,86 par 12,23, 169 m2, 51. Voilà.